nouvelle vidéo d'Animal Crossing version animée. Oh, super timing. Oui, j'ai beaucoup de lettres. Donc, il est 17h, mais apparemment, c'est déjà la nuit à 19h. Ok, allez. Donc, on est le 6 janvier, février, mars, avril, mai. Ah bah, le 6 mai. Le 5 mai. Le 5 ou le 6 mai? Le 6 mai, c'est l'anniversaire de mon frère. Mais dans le jeu seulement, vu que là, nous sommes le 19. Donc évidemment, je vous spoil tout comme une grosse gogole. Hein, allons-y, c'est magnifique. Donc, nous avons ici une habitante qui n'était pas désirée à animer, que j'ai déjà à Fruitia, que j'ai eu à Crow City, qui a déménagé de Crow City et maintenant est à animer parce qu'elle a déménagé de Shawnee, la ville de Miskam. Et elle est venue ici, en plein milieu de mon chemin. Évidemment. Quelle bonne idée. Oh là, ça fait un sacré bail. Tout va bien? Oui. Oh, ça sera bien les vacances. Surtout que moi, je reprends l'école demain, donc le 20 avril. Donc c'est normal si je suis moins présente, hein, vu que j'ai déjà eu mes 2 semaines de vacances. Voilà. Donc, il y a un habitant qui part demain, j'ai vu. Ici, on a une autre chiante. Là, c'est Annelise. Elle s'installe en plein milieu. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Mais c'est une chiante. Je ne l'aime pas. Alors, il y a quelques petits trucs qui ont changé. Alors ici, j'ai mis une horloge florale. Donc tout ce qui est par terre, c'est normal. C'est très très normal. Très 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 normal. Ne vous inquiétez pas. Donc Napoléon qui part. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Donc allez, c'était une bonne route. J'ai pris la décision de déménager et comme tu peux le voir, je suis en plein dedans. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se revoir alors. Aïe, agile. Non, je ne veux pas qu'on se revoie. Casse-toi, bon voyage et à bientôt. Alors. Et alors, j'ai l'impression que ça fait des années. La dernière fois, une semaine. Deux années, n'importe quoi. Tu sais pas compter, mec. T'es nul. N'importe quoi. Le gars, il sait pas compter. Une semaine, c'est pas égal à une année. N'importe quoi. Alors, oh, nous avons une petite rose. Non, c'est mignon. Parce que, oh, j'ai les poches vides. J'ai la poche vide. La la la. Une petite tulipe. La la la. Une petite rose bleue. La la la. Oh, un petit œillet. La la la. Mais évidemment, ce que je veux, eh ben, ça se reproduit pas. Non. Ça me dit fuck. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Hein? Voilà. Donc. Allez. Bulletin météo. On s'en fout pas. On s'en fout pas. Wow. Ne brûlons pas les étapes, si vous voulez. S'il vous plaît. Si vous voulez. N'importe quoi. Oh, j'ai des petits trucs quand même à mettre. Vite. Ici. J'ai un magnifique petit arrière. Voilà. On va le planter, les amis. Bon, j'ai un sacré souci aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est dimanche. Je sais pas. Mais je pense que vous m'avez jamais entendu parler comme une folle, comme ça. Mais vous savez, je suis totalement folle, donc faut pas s'inquiéter. Voilà. Nous arrivons presque à la fin. Ouais. Oh, oh. 2 minutes, hein, le klaxon. Oui, il y a une poire, là. Pourquoi il y a une poire? Bon, bah, mangeons la poire. Je l'ai posée par terre. J'ai dit, mangeons la poire. Voilà. Donc, oh, please, oh, mais je veux des trèfles à 4 feuilles. Je veux des trèfles à 4 feuilles. Bref, alors, ici, il faut que je plante une petite rose bleue. Voilà, c'est fait. Non, j'en avais besoin. Non. Tant pis. Ça me fait penser à la musique papi papi, papi churro, comme ça. Alors, ah,
J'ai des petits œillets. Rose. Oh. Oh. Tapi. Voilà. Alors. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est une grenouille. Il est magnifique au grenouille. Donc il me fallait des tulipes pour ici en fait. Tulipes blanches. Oups. La douée de la life. Elle, c'est une moche. Casse-toi. C'est alors là, ça fait quoi 2 semaines qu'on s'est pas vu. Nya, 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 nya. Irène n'est pas chez elle. Irène, qu'est-ce qu'elle fait? Je t'aime. Irène. Bref, tant pis. Donc, ici, c'est la maison de Jasmine. Donc, Jasmine d'Aladin, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. C'est logique un peu. Mais, bah du coup, on va pouvoir la visiter. Donc, Juliette, si tu regardes cette vidéo, je t'ai caché le secret depuis longtemps. Mais voilà, donc elle n'est pas du tout finie, hein, pas de commentaires. Et voilà! Donc, c'est mal cadré, voilà. Donc, il me manque encore des pièces et tout. Mais ici, donc, on a un armoire rococo hein, qui représente un petit peu le côté oriental. Donc là, c'est pour le palais, le sol. Le trône, donc je remercie Chloé qui me l'a donné. Donc le trône, c'est pour la salle qui va être là après. Voilà, c'est ainsi que la barbe. Donc c'est le trône du sultan et la barbe du sultan. Voilà, magnifique. Quand j'aurai un mannequin, je le créerai le sultan. Ça, bah, c'est pour rappeler un petit peu les motifs orientaux. La lampe et le sablier, donc ça ira là. Enfin, la lampe surtout, parce que je pense recréer la caverne. Et là, je pense recréer le jardin où est Jasmine. Voilà, en haut, nous avons la chambre de Jasmine, donc il y a encore presque rien. Nous avons un siège, un coussin, un canapé qui me fait penser vaguement à ce que Jasmine avait. Mais voilà, une robe de Cléopâtre. Ça, une petite lampe vitrail et les œillets. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Jasmine a cet œillet dans Aladdin 2, si je ne me gourre pas. Mais bon, normalement je me gourre pas. Il lui a donné ça. Oui, il lui a donné cet œillet. Non, l'œillet, elle l'avait déjà. Mais il lui a donné aussi dans Aladdin 2 une barrette qui ressemble à un œillet un peu. Et voilà, c'est pour représenter la barrette et l'œillet. Enfin, c'est pas un œillet hein, comme fleur. La pièce du bas, donc c'est la pièce où Jafar est. Donc voilà, donc on a toujours le petit motif palais qui restera dans toutes les pièces à mon avis, sauf le jardin évidemment. Les murs de pierre, donc ça c'est la lampe qui représente Aladdin au tout début du film. Ses livres. Donc là, j'ai reproduit Jafar, donc c'est mon motif qui l'est. Enfin, c'est moi qui l'ai fait, le motif. Et puis pour le bruit, bah, c'est ça. Voilà, c'est le petit bruit que ça fait. Mais logiquement, on ne le verra plus. Donc on ne saura pas le désactiver. Donc voilà, donc je pense que je l'ai bien fait, hein, Jafar. J'ai fait bah, justement en compagnie de Juliette. Donc voilà, donc on va sortir. Nous sommes dehors. Voilà. Hop. Donc. Bah voilà. Il faut encore que je recrée un quatrième personnage qui ira toujours à animer. Donc ce quatrième personnage, je le créerai dans la prochaine vidéo d'animé. Parce que là, j'ai pas trop le temps. Faut que je la publie encore aujourd'hui et tout. Et j'ai pas trop pensé à regarder pour les yeux et tout. Donc ce personnage, bah voilà. Vous verrez plus tard ce que c'est. Il y a qu'une seule personne qui pour le moment le sait. Bah, c'est Juliette. Vu que... Elle adore les Disney comme moi et donc elle a voulu savoir ce que je faisais pour Jasmine. Elle m'a aidé un petit peu aussi pour ce que je recherchais pour la maison de Jasmine et tout. Donc voilà, donc il y a qu'elle qui le sait pour le moment. Donc voilà. Donc voilà. Ah, on va entrer ici. Donc il y a encore des petits trucs qu'on va pouvoir aller voir. Ici on a la collection chalet que j'ai décidé de faire. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de trucs encore pour le moment pour cette collection, mais ça ne saurait tarder, donc on a la petite table basse et tout, voilà. Donc là c'est toujours le paravent, j'aime bien. Donc là on a la cuisine, mais il n'y a rien qui a changé, et en haut non plus il n'y a rien qui a changé, c'est toujours la chambre. Donc on va pouvoir ressortir. Nous sommes sortis. Donc ça c'est toujours le jardin de Camille, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Donc oui, Camille est dans ma ville. Voilà, vous êtes jaloux. N'importe quoi.
Mais donc voilà, j'ai créé un personnage qui s'appelait Camille et Camille a créé un personnage qui s'appelait Laure. Donc voilà, un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu bizarre. Clara, tu sais quoi, c'est bientôt mon anniversaire. 9 du 5, ok. Anna, son anniversaire c'est le 11. Puis une lettre de maman. Ok. Donc on va rentrer vers ma maison et puis on va s'arrêter là. Donc voilà pour la première pièce. Donc j'ai un petit peu plus dégagé. Toujours notre pièce cinéma. Il faut que je change. Hein. Il y aura une télé comme ça dans le cinéma. Plus personne ne voudra la télé du cinéma là. Plus jamais. Donc va falloir que je la fasse. Hein. J'ai pas encore fait. Mais on va s'arrêter dans cette petite pièce que j'aime beaucoup voir quand elle est fermée. Parce qu'avec la lampe, c'est un peu laid comme ça. Mais là, c'est très joli, je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous les Belges qui sont comme moi désespérés de rentrer aussi vite. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo d'une série que je n'ai pas fait depuis très 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 longtemps. Et donc voilà. Donc comme ça, vous peut-être que vous devinerez. Donc c'est la suite de la série. Donc je continue aussi la série Mario Partie 10 parce que voilà, vous avez bien aimé dans l'ensemble. Donc je suis contente. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, à la prochaine, et kissouille.